conquérir une éventuelle partenaire, il doit se surpasser et réaliser un exploit extraordinaire. Ce poisson est le plus grand artiste de la nature. Avec ses nageoires pour seuls outils, il commence à retourner le sable en respectant un dessin d'une précision mathématique. Il sculpte des formes géométriques. Il travaille 24 heures sur 24 pendant toute une semaine. Il n'a pas le temps de se reposer, car le courant pourrait détruire sa création. Il ajoute des coquillages en guise de décoration. Puis il passe un dernier coup de balai. Enfin, son œuvre est terminée. Ce poisson de 12 cm vient de créer un chef-d'œuvre de 2 mètres de diamètre, simplement avec les moyens du bord. Aucun autre animal n'est capable d'une construction aussi complexe et parfaitement symétrique. Si son œuvre ne suffit pas à attirer l'attention sur lui, il n'a plus d'autre carte à jouer. Une femelle remplie d'œufs et prête à s'accoupler approche pour visiter. Le mâle l'attire vers le centre, d'où elle aura une meilleure vue d'ensemble. Elle semble impressionnée et se retire pour lui laisser le temps d'effectuer une dernière modification. Le lendemain matin, le cœur de la sculpture a été aplati. Le sable le plus fin est concentré au centre. Le mâle a construit un nid pour la femelle. La voici, pile à l'heure. Le mâle lui mord la joue, elle pond ses œufs et il les féconde. D'un rapide battement de nageoire, il les enterre ensuite dans le sable. Une fois les œufs fécondés, la femelle passe son chemin. Le mâle reste auprès des œufs pour les ventiler jusqu'à leur éclosion, tandis que son œuvre s'efface peu à peu autour de lui.